Et Yosh le peuple, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 17 février 2021 et après une petite pause, on va dire, vu que je n'ai plus trop repris les streams, on se retrouve en compagnie de Yuki pour une réaction à live à chaud du Nintendo Direct qui devrait durer 50 minutes en théorie. Donc on en a un peu discuté tous les deux. Je pense qu'il y aura du Zelda étant donné qu'on approche des 35 ans de licence. Il y aura du Pokémon, je pense, Smash aussi qui va être discuté parce qu'apparemment il devra avoir le nouveau personnage qui va être mis en avant du deuxième pass des fighters en question. Donc voilà, vous voyez le timer en temps réel, il reste plus qu'une minute 38. Voilà, donc je couperai la musique juste après et après on va se laisser bercer par ça et j'espère que ça va être cool. Tout va bien. C'est pas possible. J'ai une personne qui casse tout ici. Non. Qui est surtout maladroite, mais tout va bien. Pose tes fesses, bouge plus. Voilà. Attends, mais faut que je retrouve la paille. Dépêche-toi, il te reste 1 minute 12. Non, j'arrive, je suis là. Voilà, alors du coup, hop, on va couper la musique. On va mettre le Nintendo Direct en fond d'écran, en full screen. Quoi que ça, c'est elle, ouais. Je vois rien. Elle est handicapée. C'est ça. Mais je vois pas. Elle voit rien. Tout va bien. Bouge plus. Quoi, mais je suis en train de m'installer. Elle va me démonter la maison. Mais non. Ah. Allez, je préviens, je vais faire en sorte d'évacuer le moins possible l'adrénaline parce que... Ouais, par contre, me crie pas aux oreilles, s'il te plaît. Voilà, c'est pour ça. Je suis désolée. J'ai les oreilles, j'y tiens. Voilà, j'y tiens. Je suis désolée. Bon, bah voir. Elle est au courant, hein? Oui, mais elle a dit que ça c'est trop tard pour elle parce qu'elle travaille. D'accord. Donc elle sera pas là et Benji, je sais pas s'il va passer. Eh ben écoute, on va voir. Donc attention, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et c'est lancement. Parti. Peggy 18. Ah, ça commence avec un 18. Allez, c'est parti. Depuis tellement longtemps, on n'a pas eu un vrai direct comme ça. Ah. Alors. Image issue Xenoblade suicide. Attends, image. Oh, un Xenoblade. C'est le 2. Moi, je... je connais de nom, mais... Xenoblade 2. One day, pirate just disappeared. Du coup, le 3. Le 3. Ouais, mais c'est pas ton jeu qui est ultra mou, là, en combat. C'est l'histoire, le principal. L'histoire, c'est ce qu'il faut. Ouais. Ah, j'ai pas fini le 2, par contre. Enfin, je sais à le dire, mais... J'en ai fait aucun. Mais avoue, l'image et les cinématiques sont bien. Après, c'est japonais, donc c'est haut en couleur, dessiné, etc. Quoi. C'est pas très dur. Hein. It was as if she vanished off the face of all rest. Without a trace. Where have you gone? I'll find you, whatever it takes. J'imagine pas la... Comme ça a dû péter dans le chat. This is where you were. Pyra! Oui. Sorry, Rex. I couldn't tell you. Because I got an invitation to join Smash. Non, tu piras de la série Xenoblade. C'est ça, Xenoblade, c'est ça? C'est ça. Voilà, rejoins le roster. Oh non, c'est trop bien. Ouais, mais... C'est encore une épéiste. Encore. Encore un épéiste, ouais. Ouais. Au bout d'un moment... excusez-moi, hein, parce que je vais baisser un peu. Ouais.
Au bout d'un moment, faut qu'ils arrêtent. Il y a trop d'épéistes dans le jeu, faut qu'ils arrêtent. On a eu Sifi, on a ça, les personnages Fire Emblem, tous les personnages Fire Emblem, Link, c'est... Il y en a trop. Alors, je m'attendais à un Dino Blade 3, là, bah, sur le coup. Bon, mais... De toute façon, on savait déjà que, de toute façon, ils comptaient parler de Smash, voilà. Oui, ça oui. Et l'entrée est plutôt cool. Oh ouais, mais ça doit être un trophée aide. Oh, trop bien. Non, elle va se changer. En fait, elle a deux versions. D'accord. Je t'expliquerai plus tard. D'accord. Mithra Awakens. Si tu veux, en gros, Mithra, c'est Excalibur avec tous ses pouvoirs. Mais puissance x 1000. D'accord. Trop bien. Ça doit être son ulti, ouais, comme tu dis. Non, elle doit avoir une transformation, c'est avec Babé. Avec, ou avec Psy, une sorte de jauge, peut-être. Elle a un contre. Encore un épice avec un contre. Elle va être tellement jouée. Je le sens. Elle va être trop jouée. Ouais, c'est ça. Elle va avoir une jauge, je pense. Non, il se relaye. Donc c'est bas... Moi, ouais. Je suis sûr, c'est un Babé. Ouais, voilà. Okay. Par contre, ça lui donne un... Par contre, pendant la transformation, ça lui donne un skip damage. Parce qu'elle se téléporte et elle lui donne une mini-invincibilité. Ouais. Et ça, c'est le nouveau terrain. C'est le nouveau terrain de combat. Très petit. Oh, il est trop petit, le terrain. Oh. Ah, l'ultimate. Oh, putain. Oh putain. Shulk? Bah ouais, et alors? Pour revoir. Well, now that you're in Smash, I won't go easy on you. Fighting words. You forget. We're fighters too. D'accord. Bon bah encore un épéiste, hein. Il y a tellement de licences où tu peux trouver autre chose, il faut qu'ils arrêtent avec les épéistes, il faut qu'ils arrêtent. Allez, c'est parti. Au Je suis un peu trop facile l'écran. Nintendo Direct Mini, という形で皆さんに情報をお届けしてきましたが、こうしてこの場からご紹介する形での Nintendo Direct は長らく実施できておりませんでした。今回はようやく目処が立ち、皆さんに Nintendo Direct をお届けできることを心から。Ouais, je m'attendais à autre chose, hein, parce que これからもどうぞよろしくお願いいたします。Et encore, je ne sais pas combien il reste de personnages à présenter dans le Season Fighter 2. La bande-annonce de présentation. Déjà, ça m'étonne qu'il n'y a pas le développeur de Smash qui parle. Il va peut-être parler pour vous montrer comment il va être joué. Ouais. En mars. Pour la mode Gibson de 6 euros. ここからはヘッドラインをご覧ください。おお。あ、Fall Guys。Il va arriver sur Switch。C'est ça。Fall Guys arrive sur Switch。Ça va, moi je suis. Alors le jeu a fait un succès total à sa sortie et maintenant il est déserté. Enfin, il y en a qui jouent encore un peu, mais moi j'y joue plus personnellement. Et ça va être mieux sur Switch. Ah non, c'est. Enfin, par rapport. Ça reste pareil. Alors après, il va être payant. Oui. Ben voilà. Comme d'hab. Hein. Alors après, est-ce qu'il va être cross-platform? Parce que vous avez parlé d'une éventuelle cross-platform entre Xbox, etc. L'été, c'est loin. Ok, donc Fall Guys qui arrive sur Switch. Ok. You have 22 minutes before the solar system is destroyed. Ah. Outer World. Venture into the vast reaches of space to uncover the secrets left behind by an ancient civilization. You have 22 minutes. After that, the sun will explode and the solar system will be annihilated. D'accord. 22 minutes pour faire ce qu'il faut. However, everything will reset, allowing you to continue exploring while retaining information you gathered.
Ah, mais c'est-à-dire, t'as droit qu'à 22 minutes d'exploration à chaque fois, c'est chiant. By repeating these cycles, you'll gradually unravel the mysteries hidden in the universe. Ouais. What messages will you discover? How can you prevent the sun from exploding? Why is the solar system trapped in an endless time loop? Find out when the critically acclaimed Outer Wilds launches on Nintendo Switch, summer 2021. C'est moi. Ouais, bon, alors. Put your sleuthing skills to the test in two classic murder mystery games. Conan. Famicom Detective Club, The Missing Heir, and Famicom Detective Club, The Girl Who Stands Behind. Two deep cuts from Nintendo history are coming to Europe for the first time. Ouais, mais est-ce que ce sera traduit en français? Localized in English and modernized for the Nintendo Switch system. Suspense, drama, je comprends pas. And twists and turns. C'est, ils avaient fait la même chose avec les Phoenix Wright. You'll be on the edge of your seat as you dive into these deep narratives set in Japan. Et quand vous avez des versions HD, bah c'était que de l'anglais. Avant qu'ils gueulent les jambons, sinon les fans en a compris. Donc du coup, on fera une mise à jour pour mettre la VF. Ouais. Je sais pas. In the other game, you'll investigate a supernatural rumor after a mysterious death to free students from a sinister nightmare. Interrogate suspects and hunt for clues to piece together these chilling conundrums. Can you figure out who the culprit is before it's too late? On n'a pas beaucoup de visual novel sur Switch. Ça peut changer. Uncover the deadly truth in Famicom Detective Club The Missing Heir and Famicom D'accord. Detective Club The Girl Who Stands Behind. Coming to Nintendo Switch May 14th. Pre-orders begin on Nintendo peut pas avoir des nouveaux trucs plus attractifs ou des images de jeux qu'on a. Attends, c'est le début. Ah, mais moi je veux que ça tape, moi. Ah, c'est japonais là par contre. C'est un nouveau moucho. On se retrouve dans une ère un peu époque Edo là. Ça va être un moucho, tu vas voir. Un Dynasty Warrior. Tu vas voir. Oh. Voilà, tu vois. Nul. Dynasty Warrior. Attends. C'est pas d'ici à voir, parce que les derniers sorties en date, je sais plus comment ça s'appelait. Ah, Samurai Warrior, voilà. Mais un nouveau Mosho. C'est un peu mort ce style de jeu, mais bon, enfin, mis à part le Zelda qui est pourri. The latest entry in the Samurai Warriors franchise is coming to Nintendo Switch. Okay. Bizarre la mise en 3D un peu dessin comme ça. C'est avec du cel shading. Oda and Mitsuhide Akechi. Ouais. Character designs okay. And visuals have been revamped for this installment. Ça fait longtemps que j'ai pu tâter un mocho. Bon, après c'est mis à part les One Piece Pirate Warrior que j'avais fait. Mais bon, ça c'est classique hein, c'est Tabarance, Supurine, slashing its way onto Nintendo Switch, summer 2021. Pour l'été, d'accord. Ouais, mais je pense qu'il donne pas de date pour pas se projeter trop. The vast world of Fadiel Beckus. Oh, trop bien. Legend of Mana, featuring remastered HD graphics, is coming to Nintendo Switch. Oh, je veux. Je l'avais fait sur... C'était sur GBA, je crois, non? Oui, c'est ça. You'll set off on a journey to find the mystical mana tree seen in a dream. Lui, j'avais un peu commencé le jeu là longtemps. Before discovering the world map is empty. During your travels, celui-là, je vais le prendre. You'll acquire special items called artifacts. Par contre, j'espère qu'il sera quand même en français. Towns, dungeons, and other lands to life. It's up to you on il when est, and where to place artifacts. Il est génial, celui-là aussi. Bon, malgré ça, pour moi, ça battait pas les Secret of Mana de l'époque. Mais l'histoire était assez cool, très colorée. Join forces with characters, each on their own personal quests. Square off against fearsome monsters. Or take a break from adventure and rest up at home. Bon bah ok, the music cool. Has been rearranged for this enhanced version. Ouais, bon, après, you can alternate après, between the original and the original. Ça c'est cool. Other features have been added, including the ability to turn off enemy encounters, as well as the new mini game Ring Ring Land. Okay. Legend of Mana will launch on juin. Nintendo ça Switch va. June 24th. Ouais, mais après à quel prix? 60 balles, 40 balles. Je pense 40 euros. MH. MH. Ah, est-ce qu'on va voir une nouvelle créature? Ça va pas. Oh! Ok, Monster Hunter. Oh!
Le Narcilla, ça. Ah non, c'est un nouveau. C'est un nouveau. Une araignée. Ouais, je suis pas trop fan. Même s'il faut savoir, parce qu'elle elle déteste les araignées. Ah putain, je sais plus comment ça s'appelle. Bazarios. C'est ça. Ça va, il tue. Il est bien gros. Volcano. Ah, il est de retour, lui. Avec sa langue de 3 mètres de long, là. Moi, j'attends l'Acanthor, personnellement. Il me manque, ce monstre. L'Acanthor. Almidron. Oh, stylé. Il est stylé. On dirait le Midutsune en mode bouillon, comme et ça. Et par contre, il projette de la boue et tout. Il est trop beau. Elder, I have important news. De toute façon, je le prendrai, même si je vais pas jouer longtemps. Go assemble the villagers. 50 years ago, Kamura Village was attacked by the Rampage and Magnum Malo. Ok. We suffered some devastating casualties. How can we fight against that? Our hunter is about to face the biggest challenge yet. Bah ouais, d'accord. Oh, oh le nouveau. Ah, il y avait l'Anjana. Il y avait un petit Anjana qui passait sur le côté. Oh. Oh là là, oh le Rajang. Oh non, pas le Rajang. L'Azuros. Supérieur. Ah ouais, d'accord. The Rampage. How long do you think it's going to last? Ok. Ok, ok. Alors d'accord, donc le monstre emblématique, il va ressembler à cette boue. Inoue, we should start preparations right away. We're here to offer assistance. We must stop the calamity. D'accord. 26 mars. Moi je l'attends, même si j'ai joué genre quelques heures. Ah moi je vais le roder. Moi je vais le roder par contre. Ça c'est... Je la trouve pas belle. La manette la encore. La manette jolie. Bon, ça va le doc encore, ça, ça... pas trop mal. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'Emma, je vais le roder, hein. C'est mort. Avec Manu, on a rodé World, je vais le roder. Hein. Moi, j'ai vu un Anjana sur le côté. Par contre, sympa qu'ils ont montré quelques nouvelles créatures. Regarde, Anjana, c'est... T'as vu? Déjà, c'est cool qu'ils ont montré une nouvelle créature, la fameuse araignée, là. Et bon, après, il y a du recyclage, je vous le dis pas. Voilà, c'est les créatures en version dessus. Ah, Mario Golf. Mais ça ouais, Mario Golf. Golf. The latest installment of the Mario Golf series coming to Nintendo Switch. Mais c'est pourri, ça pue du cul. Take your time to on veut un Mario through. Football. Mais non. Moi oui. Non. Ça pue du cul, c'est genre payé. Tiens. Enjoy golfing with je veux ton pognon. Mushroom Kingdom characters. Oh là là. Ouais mais attends. C'est bien mignon, mais est-ce que les persos ont des super pouvoirs? Tu vois bah bien sûr qu'ils vont en avoir, ils vont avoir des yeux. Utiliser les flexions et avec les choses de puissance. Bah oui, bon, comme dans le golf, le vent, ça, la pente. C'est Wii Sport, c'est Wii Sport avec Mario. Oui, mais... Moi, je voudrais savoir si les personnages ont des super pouvoirs, tu vois. Button controls, you can also use motion controls by holding a Joy-Con controller like a golf club. C'est... Non mais je te l'avais dit de toute façon, Nintendo la prise de risque c'est fini. Ah non, sans déconner. C'est fini la prise de risque. Oh oui, ok. On top of all that, there are several modes with new elements that truly bring the heat to Mario Golf, including this one, Speed Golf. Attends, le but c'est d'y aller avant tout le monde là, genre c'est la course. Ouais, de ramasser au plus vite à... Then you'll race through the course to reach your ball. Give it another whack to get it closer to the hole. Ouais. Then keep going. Ouais, tu as les ultis. Outpace your opponents to come out on top. Your golfing skills aren't the only things at play. Make use of dashes and special shots to beat the competition. Ouais. Oh, did we mention le retour des Mii. As a Mii character, you'll start out as a rookie and develop your golfing skills. Tu la sens la prise de risque chez Nintendo. Oh, oui, oui, oui. Level up with experience points earned during matches. Ah, la prise de risque, elle est... Allocate points to different stats, allowing you to develop your character however you'd like.
You can also use your me in versus play. Put your golfing skills to the test when Mario Golf Super Rush swings onto Nintendo Switch June 25th. Pre-orders begin on Nintendo eShop after this presentation. C'est quoi le prochain Mario Mario Badminton? Mario Piscine. Mario Badminton. Mario Golf Super Rush は simple 操作で. Mais en plus ils l'ont fait dans Mario et Sonic au jeu sur la Pixa, non? Oui, mais c'est tout mélangé, c'est pas un truc fixe. Là, c'est vraiment que du golf, que tu vois. Nintendo Switch no Mario avec leur gameplay, chaque héros a leur pouvoir, machin. Alors, pour le moment, je suis... Voilà, il y a du truc bien. La version est sortie à venir. Allez. Ok. Return to the unforgiving world Borderlands. Borderlands. Ah ouais. Borderlands. Play as the Hyperion lackey, Reese. And the quick-witted con artist déjà fait sur PC. Set out to recover a mountain of cash. Déjà fait sur PC. Pour ceux qui ont pas le PC, voilà, pour ceux qui ont pas, oui, voilà. Alors, je vous le conseille pour ceux qui aiment la lignée des Borderlands, c'est assez cool. Bon, après, vous étonnez pas à tirer à tirer un larigot, c'est du point and click. Parce que vu que c'est fait par l'entreprise Telltale qui ont fait les Batman, les Walking Dead, etc. Mais il vaut quand même le détour. 32 Arkham Stadium. Beloved arcade classics are coming to Nintendo Switch. Rewind gameplay, adjust game speed or difficulty. Ouais, il faut voir la qualité des jeux Capcom. Parce que là, c'est là, ils vont plus de jeux. Shoot. The Battle of Midway for free. Then purchase game packs or a standalone Ghosts and Goblins add-on to build your collection. Ça oui, je valide. Local co-op. Street Fighter, oui, voilà. Scratch that nostalgic itch when Capcom Arcade Stadium launches shortly after this presentation. Ouais. Brains as a zombie, you just can't get enough of them. In this action game from Aspyr, you'll build your zombie horde and take revenge on the city by turning humans into your undead allies. Replenish your bodily arsenal of sputum head, gut grenades, and more during your grisly mission. This city ain't no match for a dead man. Stubbs the zombie in Rebel Without a Pulse eats its way onto Nintendo Switch March 16th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pour les enfants, laisse tomber. C'est pour les gosses. It's Travis Touchdown versus Assassins. Wait, aliens? Aliens have invaded Earth. Hold up, is this even the right game? Anyway, after annihilating an entire city, the aliens have taken over and now host an intergalactic superhero ranking tournament to decide Earth's fate. J'en ai fait aucun. As the crass beam katana wielding assassin Travis Touchdown. You'll need to fight your way to the top to save the world. Hey, 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 not so fast! To enter each boss fight, you'll have to do some odd jobs around town and earn enough to pay off the entry fee. You'll then face off against a slew of unusual opponents. Most of them aliens, crazy tricks up their sleeves. Study their tactics carefully to gain the upper hand in combat. With a new and improved death glove, you'll have access to a variety of deadly skills that can be customized and upgraded before each match. Bah après, ça m'a pas spécialement attiré. The fate of the world is at stake. So get ready to kick some, whatever aliens have that you can kick. Anyway, it'll all make sense when No More Heroes 3 lands on Earth. Or, you know, Nintendo Switch, August 27th. Ouais, 27 août, hein, putain. Pas tant, hein. Exterminate demons in heaven? As above, Neon so White. Below. Why do they need assassins in heaven? To do someone's dirty work. Massacrer les démons avec des cartes. Oh, c'est un shooter. Alors, faut m'expliquer comment tu peux jouer aussi vite sur une Switch avec une visière comme ça, c'est pas possible. It's kill or be killed. You won't last long if you can't rely on yourself. Ça va être le Fortnite numéro 2. Non, c'est pas un Fortnite. Ouais, moi aussi. God's judgment has nothing to do with it. Ouais, le car design est cool, mais Uncover Heaven's mysteries in neon white, coming to Nintendo Switch hiver, winter 2021. Vous pouvez attendre encore. The DC superhero girls Super are here DC to save the day. Hi everyone, my name's Barbara Gordon.
Batgirl. C'est Batgirl. I'm always inventing new gadgets to fight crime. Bon, ça c'est vraiment pour les enfants. Hein. De toute façon, Nidano, ça a toujours été pour les enfants, enfants et famille principalement, donc. Bon, après, il y a un effet un peu cartoon dessin animé, c'est rigolo, donc. Mais bon, c'est pas un jeu que j'ai acheté, quoi. C'est cartoon comics. Oh, les couilles. C'est moche. Sometimes it'd be nice to get out of class and do some shopping downtown with my besties. And maybe take some photos to share on Superstar Post while we're at it. Hey, hey, I got a comment already. Nice. Ooh, and I definitely want to hit up Sweet Justice later. Mm-hmm. Okay. Uh-oh, something really bad is threatening the city. No one could have seen it coming. But when justice calls, you can count on us to answer no matter what. We've just got to make sure no one figures out our secret identities. DC Superhero Girls Teen Power heroically soars on the Nintendo Switch June 4th. Mouais. Ready to juice cannons and prepare for battle. Quoi? C'est Plante versus Piranha? Ah ouais. Plante versus Zombie. Oui, c'est pour moi, c'était ça. C'était ça que je voulais dire. Ouais. Il est mais... vieux ce jeu. Ouais, plus. Mais maintenant ils les ont fait sous forme de. Comme un Call of Duty en fait. Ouais. Intégral. En fait, si tu veux, chaque zombie a leur capacité, les plantes aussi. Donc, ouais, je connais, ouais. C'est rigolo, j'avais testé sur PlayStation 4, c'est rigolo. Bon, après voilà. T'es... Affronter des boss, ok. Envoyer du. Il y a eu un petit peu des best frames, non? Ouais, enfin, je sais pas, ouais. Ouais, si c'est leur stream de chez eux qui merde un peu, je sais pas. Ouais. Alors, pour le moment, je suis pas très convaincu. Bon, mis à part Monster Hunter Rise, pour le moment, on a eu quelques petites images en plus. Bah, le Legend of Mana qui va être prévu pour juin, c'est ça? C'est ça. Voilà, qui va rejoindre. Ils vont refaire un Amitopia là? Mais c'est le truc qu'il y avait sur la 3DS, ça. Amitopia, non? Ouais. Amitopia est coming to Nintendo Switch. Cast me ah, c'est bon! Qu'est-ce que je t'ai dit? La prise de risque, zéro. Zéro. Ah, parce que c'est encore à la mode au Japon. Ça. Ouais, mais c'est ce que je t'ai dit, c'est la prise de risque, zéro. C'est, là pour le moment, on a eu que des, bon, quelques petits nouveaux jeux par-ci par-là. Mais voilà. Parce que ça, c'était sur quoi? C'était sur DS. Sur DS, oui. Sur 3DS. Ouais, voilà. Encore un portage d'un jeu. Relationships are key. Après, je pense qu'ils l'auront fait à neuf, tu vois, pour la suite. Ouais. C'est pas la même chose que Mythopia, voilà, que je t'occupais de ton mine. Ouais. Genre, t'avais pas ça ouais, sur Mythopia. Ça se discute, sour, ouais. Though, take a turn for the worse. Et t'avais pas ça sur Mythopia, quoi. You can have a horse as an ally? That sounds pretty darn good. Care for it, and it'll lend a hand, or poof, in battle. Venture with friends and familiar faces in the lighthearted romp Mythopia. Coming to Nintendo Switch May 21st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. On ira voir sur le eShop. Ouais. On ira voir sur le eShop. Super Mario themed items are coming to your island. Arrête. Super Mario Brothers 35th anniversary themed items are coming to the Animal Crossing New Horizons. C'est des déguisements. Tenue de Mario, tenue de Luigi, Wario et Peach. Familiar items okay. Like the Super Mushroom and the Mushroom Block can be ordered in game as furniture items. Ok. Mais je le ferai quand même parce que c'est assez joli. Bah ouais, faudrait que je le fasse aussi. Bon, ça doit faire 6 mois que j'ai pas rallumé le truc. dans mon lit, comme les gens ils vont me voir, ils font mais t'es passé où? C'est ça. On croyait que t'étais mort, tu sais. Then use them to travel to new locations on your island. Sympa. Ça c'est bien pour t'aller de l'autre côté de l'île. Why not try recreating the Mushroom Kingdom? C'est prévu pour quand la mise à jour? A free update for the game. 25 février, d'accord. La semaine prochaine. After downloading,
Super Mario Bros. Items will be available via Nook Shopping starting March 1st. Ça va. Ok, bah ça, ouais, bah ça s'achète avec des clochettes, ça va. Animal Crossing Twitter account for the latest information. Bon, bah ça... Non, je... J'aime pas Marie. C'est pour ça que je te regarde. D'ailleurs, il y a une tombe sur mon île. Une tombe à son vie. Ok, 25 février, mise à jour pour Mario, ok. Avec Animal Crossing. Super Mario Bros. 35周年 に合わせて配信する今回のコラボ家具アップデートまでもう少しだけお待ちください。スーパーマリオブラザーズ35周年といえば、先週スーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドを世界同時に発売しました。コピーソニック、こちらのマリオの冒険もぜひお楽しみください。続いてはこちらの映像をご覧ください。Nouveau jeu, il a dit ? Alors, une nouvelle IP, apparemment. Oh, ça sent... C'est un truc de Square Enix, je crois. C'est le nouveau. Ça sent un Fire Emblem encore. Ça sent un Fire Emblem. Moi, non, je sais pas. C'est pas un nouveau jeu de Square Enix, là ? Attends. Moi, je dis que ça sent un nouveau Fire Emblem. Eh oui, c'est ça. C'est avec Octopath Traveler là. FF Tactique. Ouais. Attends. Si, ça ressemble à FF Tactique là. Ah oui, oui, pardon. Mais moi, je veux le titre. You and no other must decide how we proceed. Ok. C'est tellement beau. Ah ouais, mais c'est pas ton style. Le jeu, non. Mais je trouve que c'est beau. Mais c'est ouais, c'est. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont gardé des graphismes à la Game Boy Advance en fait, Cosmos Pixel et tout, mais avec des effets 3D. C'est ça qui est génial. Et du coup, il s'appelle comment le jeu ? Parce que ça m'intéresse par contre. Triangle Stratégie. Ok. Far, far away lies the continent of Mersilia, comprised of three nations and limited deposits of salt and iron. The constant feuds among the nations over these precious resources eventually ignited into a great conflict. Bah déjà le jeu m'intéresse beaucoup parce que j'ai bien aimé les aspects FF tactique ou. Il y avait quoi comme jeu qui était bon? Advance Wars. Je crois que c'est un même genre. You are all that remains. Caught in a tangled, fiery web of plots and conspiracies, a brave group from Glenbrook fights to save their kingdom from the powers that would orchestrate their downfall. Our benefit, you say? In this new tactical RPG, battles take place on terrain oui, with bon, different ça, je elevations. Sais, c'est pas a character's niveau. Attack is determined by their location and their voilà. Equipped weapon. The range ouais, c'est du FF tactique. By attacking from higher ground c'est du FF tactique. Bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu comme ça. An enemy outflanked is susceptible not only to your initial attack, ça, par contre, but also ça fait beaucoup penser à une mécanique d'un Fire Emblem sur 3DS que tu attaques d'un allié sur les deux côtés en fait. S'il y a une démo, tu vois, de DC, je veux bien tenter, tu vois, mais... Je pense qu'il y aura une démo. Link attaques together by first casting ice magic on the flames. Bon, les effets sont jolis. Même dans Octopath Traveler, c'était pareil. C'est un truc de fou, ce jeu. Oh. C'est tellement beau. It is of the utmost importance to survey the battlefield before taking action. Ok. Throughout the story, you will be faced with making important decisions in a variety of situations. Utility, morality, liberty. Collectively, your decisions will establish your conviction, affecting how the story unfolds and who will join your cause. Once more, I would ask you plainly. Do we or don't we relinquish Prince Roland to Estrost? Critical decisions that may determine the fates of nations are settled by vote on the scales of conviction. Use information you've gathered to sway allies towards your favorite cause. À mon avis, tu vas pouvoir recruter des personnages en fonction de ce que tu vas dire. Ouais. The story will significantly change based on how the votes are cast. So they refuse to relinquish him to us. Lies! His hand was forced!
As more and more critical decisions are made, your journey may take you down paths divergent from those of other players. You will see what true might is. Project Triangle Strategy. Provisoire, d'accord. 2022. Mal le temps. Ça va. Mais moi, je suis Par contre, tu vois, ils sont bien gentils. Ils disent que c'est du provisoire, donc ça va. Je suis en train de le Ok. After this presentation, a demo version of this game. Eh, mais tiens, toi qui parlais d'une démo, bah, ça tombe bien. C'est cool. Et bah voilà. We'll conduct a survey. Une enquête utilisateur sera menée prochainement. Ah, tu vas pouvoir laisser tes impressions. Ça, c'est bien, tu vois. Ça, voilà, ça, c'est un truc qui est cool. Ça, c'est un truc qui est cool de laisser la communauté dire des choses, quoi. Alors. Calling all hunters. Do you have what it takes? Star Wars? Lego? Non. Ah non, c'est Fortnite, ça me semble. Attends. Ça y ressemble au niveau de, du graphisme. Attends. Non, Star Wars Hunter. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Star Wars Hunter, basta. Star Wars Hunters is a competitive free-to-play online game set between episodes 6 and 7. Entre les épisodes 6 et 7, OK. Shooter coming to Nintendo Switch. Et des images, non? All right, let's do this. Ça c'est Fortnite. Ah non. Do I look at you or the camera? Knockout City interviews, take one. We all play for different reasons. Gorgon love battle. Gorgon use many weapons. Triple-bladed war axe, spear of misery, Hades soul-devouring crossbow. A princess is supposed to lead her people, not be stuck up in some tower waiting for a hero. In my line of work, bullets are constantly whizzing past you. Flaming longsword, blade of doom. Just once I'd like to catch one of them bullets. You know, with my hands. With this crown, I'm gonna lead my team to victory and kick some serious ass! Look, it's simple. Gorgon want new weapon! In Knockout City, I'm like a kung fu master. I can catch bullets! Come get some! Qu'est-ce que c'est? C'est une balle au prisonnier? Du dodgeball en temps réel? Par contre, s'il est free-to-play, je vais bien le tester. J'espère. Ouais, c'est du dodgeball. Oui. Ça va, c'est stylé. C'est sympa comment ils ont fait le truc. Ah, c'est cool. Ça sent free to play. Je pense. Mais déjà, je préfère plus ça que Ninja là. Ninja, j'ai testé, c'est. Ouais. Mais ça, voilà, un jeu de dodgeball, ouais, c'est. 21 mai 2021. C'est pas très loin non plus. C'est dans 2 mois. Ouais. The fight for survival starts now. C'est quoi ça? Hang on tight, cause you're all going to play a little game of fate for me. From the creators of the Danganronpa and Zero Escape series comes a fight for your life. Literally. Disoriented and trapped in an underwater theme park, the 12 of you, known as the Go-Getters Club, must now survive this game of fate at all costs. I don't wanna die yet! Sorry to scare you all, but... The game is cancelled! The game is suddenly called off. You escape the theme park and get a glimpse of Japan, but everyone's vanished. Set off on a captivating journey across the country that blends side-scrolling action with suspenseful narrative. As you make your way back home to Tokyo, you'll alternate between working solo and teaming up with the group to overcome challenges and monsters that stand in your way. What awaits you all at the end of your journey? The battle for survival begins in World's End Club, venturing onto Nintendo Switch, May 28th. Ok. Zinagi Games? Ah ouais. Wield the powers of Olympus. Oh, pas physical pour toi, ça. Release mise à jour.
Oui. Ah, mais la version physique. The critically acclaimed dungeon crawler and recipient of multiple Game of the Year awards. Attends, peut-être qu'il va avoir un truc en plus. Non, c'est la version physique. Nintendo Switch. This version comes with a couple of extras to assist you on your journey out of the underworld. Comment ça? The first is a PC download code for the Hades original soundtrack. It's packed with 2.5 hours of blood-pumping music composed by Darren Korb, known for his work on previous design titles like Transistor and Bastion. The second is a 32-page full-color character compendium featuring portraits of the game's vibrant cast of gods, ghosts, and monsters, all by Supergiant art director Gen Z. And let's not forget the game itself, offering dozens of hours of exhilarating action paired with a compelling story. Oh, je m'attendais à une mise à jour, mais non, c'est la version physique, quoi. With the physical version of Hades on March 19th. Oh, c'est de, alors, c'est pour ceux qui... Jeu, je vous le conseille. Très bon jeu. Deadly action games, one masterful collection. Ninja Gaiden? What? Ninja Gaiden Sigma. Ninja Gaiden Sigma 2. And Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Ça, c'était des jeux qui étaient sur Xbox, hein. Nintendo Switch as the Xbox une, Ninja Gaiden Master Collection. D'accord. Passe. Ok. Bon. Ok. Un portage. 3 ans, non. You are the legendary ninja Ryu Hayabusa, fighting against a great evil with battle skills that are second to none. On pouvait incarner dans Dead or Alive. Wield an arsenal of killer weapons, each offering a playstyle with different set of lethal skills, along with ruthless ninjutsu to swiftly take down enemies. Quickly gauge your opponent's movements while unleashing fast and frenzied combos. And team up with other super ninjas in your quest to fulfill your destiny. All previous downloadable content, including costumes and game modes, are included. Okay. Revel in the intensity of Ninja Gaiden in one. Tu aimes les beat'em up, genre la Bayonetta, Ninja Gaiden Master Collection slices its way onto Nintendo Switch summer 2021. Ok, bah pour ceux qui aiment bien la licence, hein, c'est bien pour ceux qui vont redécouvrir sur Switch. Hein. More battles are coming to Hyrule Warriors: Age of Calamity. Allez, vas-y, mise à jour. Des trucs en plus. Bah des histoires du DLC, hein. Il n'y a pas de DLC à voir avec ce qu'il y a dans le jeu, quoi. Ok. Des armes. Arrête. Ouais, passe d'extension. Ouais, des DLC. Nouvelle arme pour Link, choix de personnage étendu nouveau. Merci. Mouais. There's even more coming to Nintendo Switch. Bravely Default 2 is almost here. Un. Four heroes of light will soon embark on a journey to restore the crystals. Use the job system to develop your characters and master the Brave and Default commands to emerge victorious in turn-based battles. Veterans and newcomers to the series can enjoy this brand new story on February 26th. A new trailer for Bravely Default 2 will be revealed following this presentation. The game can be pre-ordered on Nintendo eShop. An updated demo is also available. Ah, cool. Okay. The latest installment in the Ghosts and Goblins series comes to life. As the brave knight Arthur, you'll unleash weapons, spells, and skills to battle monsters across challenging stages within the demon realm. Dur. Co-op play is also available for the first time. Help Arthur in his quest with one of three supporting characters. En plus, le jeu, tu pouvais pas le finir si t'avais pas la bague de Carry for transportation or Archie for bridges. Ghosts and Goblins Resurrection launches February 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. C'est, je trouve ça sympa. Saga Protagonists. Eight captivating journeys. Okay. Saga Frontier has been remastered for Nintendo Switch. Travel through a stunning sci-fi world with Mais, mais, mais ça revient à ce que j'ai dit, pas de prise de risque, que des portages, des remasters. Ça maintenant on est dans l'ère de ça, hein, des nouveaux jeux. On a eu quelques-uns, notamment bah, le projet, projet Triangle. The game launches qui était pas mal, mais ouais, il y a pas de prise de risque, hein, c'est Apex Legends is storming ouais, onto the Nintendo Switch. Apex est sur Switch. This free-to-play battle royale features a growing roster of powerful contenders named Legends. C'est pas très beau. Cross-platform play. C'est de la Switch, hein. Ouais, c'est pas très beau, dommage. C'est de la Switch. Pathfinder.
and 30 free levels for the Season 8 Mayhem Battle Pass. Ah bah, c'est plus, c'est pas for pareil, the first 2 weeks after launch, earn double XP. Alors moi c'est bien, pour Nintendo ceux qui n'ont pas de PS4 ou PS4, PS5, Xbox Series X ou Xbox One, c'est bien. Ou un PC. Étant donné que Apex est passé cross-platform. On peut venir jusque-là, non. Il reste un peu d'eau. Bien sûr. Au jeu suivant. Finis vite de boire parce que. Konnichiwa. Zelda no densetsu series producer no Aonuma desu. Watashi no kao o mite. Oh, yatto Zelda no densetsu Breath of the Wild no zokuhen no shin jōhō ga aru no ka to omowarete ta minasan mo ooi to omowarete masu ga. Moushiwaki arimasen. Kaihatsu wa junchō ni sunde imasu node. 今年中には新たな情報をお届けできると思いますが、もうしばらくお待ちいただけたらと思います。もうさが、思うさ。皆さんにお待ちいただく中、こんなゼルダが任天堂スイッチに登場します。こちらをご覧ください。スケ、ウィンウィークスケアスワードあ、プッツァン。ウィッサメッLe seul que je déteste de la lignée. Attends. Mais c'était obligé. C'était obligé. C'est, ils ont fait. Ils ont fait Wind Waker, Twilight Princess. C'était obligé que ça soit lui. Obligé. C'est celui que je déteste le plus avec avec un mic puceau. Donc, ah, mais sans déconner. Hein. Attends, je l'attends un petit peu plus retravaillé au niveau de la 3D. Un peu. Un peu plus joli. HD. Ok. Gâteau. Goranitadaitano wa Zelda no densetsu Skyward Sword HD. Non, c'est pas les premières images. 2011年に Wii で発売した Skyward Sword が Nintendo Switch に登場します。10 ans. Wii 版では Wii リモコンを剣に。Nunchaku を縦に見立てて操作していました。C'est vrai qu'il fallait le Wii Motion Plus. では処理能力が向上し、よりスムーズに直感的な操作で楽しめるようになりました。もちろん、剣や盾の操作はジョイコン2本持ちによって再現しています。J'espère qu'on pourra les activer. 右手のジョイコンで剣を操作します。動きに連動して、Ils ont encore fait un droitier.Ah ouais, non, mais dans celui-là, il est droitier. Bah, comme dans Twilight Princess aussi, il était droitier. Alors, c'est un gaucher à la base. Ouais. Oh, qu'est-ce qui m'avait fait chier, ce boss? Juste. Et dans ce jeu, il y a des modes et Nintendo Switch Lite pour jouer à la Ah, tu m'étonnes, pour ceux qui avaient la light, tu faisais comment quoi? C'est ça. Le vent sur le stick droit. Ouais. Ouais. さらに実はこんなものをご用意しています。特別なデザインのジョイコンです。右ジョイコンはマスター。左ジョイコンはハイディアの盾を持っています。あ、je m'en fous。je vais les prendre。はい、250€。on veut pour les couilles。voilà, il va avoir un bundle。je puisse le Joy-Con。最も古い時代を描いたタイトルです。Wii で遊んだ方も、初めてプレイする方も、ゼルダの伝説の世界の始まりを描いた本作を。ぜひご体験ください。あ、cette musique。allez、16 juillet。スカイウォードソード HD は7月16日。alors du coup est-ce qu'il y aura un bundle jeu plus Joy-Con ou à part？ Nintendo eShop で予約受付も始まります。また特別デザインのジョイコンソフトと同日に発売します。le jour de la sortie du jeu。ご存知の方も多いと思いますが、スカイウォードソードは C'était le dernier jeu où j'ai sorti sur une console. Breath of the Wild の一つ前のタイトルです。C'est vrai. なので、ゲームの作りはそれまでの伝統的なゼルダシリーズを踏襲していますが、それだけでなく、空から舞い降りるパラショールや壁のツタを登ったりダッシュしたりすることで消費される頑張りゲージ、また様々な素材を集めてアイテムをパワーアップするなど、Breath of the Wild での進化の一端を垣間見ることができる要素がてんこ盛りです。
ブレスオブザワイルドを遊ばれた方にもプレイしていただけたらと思います。ゼルダの伝説スカイウォードソード HD をどうぞお楽しみに。C'est tout ? Ah non ! C'est ça pour les 35 ans de Zelda ? C'est un peu dommage parce que... Bah, ils avaient fait une compil pour Mario, mais juste pour Zelda, c'est un jeu. C'est... Après, c'est fini ? Ah oui, c'est vrai, on est bientôt sur la fin. Il y a une image ici du cinématique de jeu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Splatoon ? Ouais. Oh putain. C'est Splatoon. Splatoon 3 ? Un Splatoon R... JDG. Jeu de rôle, s'il te plaît. Alors, soit ce serait un DLC, ou Splatoon 3. Un jeu de rôle. Je sais pas. Oh, c'est un jeu d'aventure. Je suis pas plus ouais. Il y a une ville derrière en tout cas. Et c'est pas ouf hein. Ok. Alors c'est quoi Splatoon japonais en tout cas. Splatoon 3, DLC de Splatoon 2. Ce que j'ai dit, prise de risque zéro. La joie de vivre. Le jeu il est là dans un an. Ouais. Il y a un truc que j'aimais, c'était les chanteuses, les deux chanteuses. La verte et rose là. Ouais. Goran itadaita no wa Splatoon series no kanzen shinsaku. Splatoon 3 no eizo desu. C'est ça. Hatsubai wa 2022 nen to sukoshi saki narimasu ga zehi tanoshimi ni omachi itadakereba to omoimasu. Ou peut-être il y a un petit truc avant. Nintendo Switch de wa hoka ni mo いろいろなタイトルを開発中ですので、今後の続報をお待ちください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ありがとうございました。バーン。はい、ils sont terminés comme ça。C'est tout。Tous ces gens déçus。Mais c'était obligé pour Skyward Sword. Je te l'ai dit. C'était obligé. Alors, attends. Voilà. Donc on va faire un léger débriefing. Donc voilà, on va faire un léger débriefing de ce qui s'est passé. Alors de mon point de vue, je vais commencer par mon point de vue. Pour moi, c'est un Nintendo Direct qui est pas ouf. C'est bon.
même si on savait un peu ce qui allait être présenté, parce qu'on en avait pas mal discuté, le fait du nouveau personnage annoncé sur Smash, le fait qu'on pensait qu'il y avait une compil pour Zelda, etc. Mis à part 2-3 petits nouveaux jeux qui arriveront sur la Switch, comme j'ai dit, prise de risque, zéro. De toute façon, la politique de Nintendo, ils se cassent plus la tête, hein, créer des nouveaux jeux pour faire plaisir un peu à une communauté quelconque, parce qu'on attend toujours Metroid Prime 4. Ce sera sur la prochaine console. On sait pas du tout. De ce que je retiens, on a eu quelques images de Monster Hunter Rise avec quelques nouvelles créatures. Donc, ok, bon, ça va. Le remastered de Legend of Mana qui arrivera pour juin. Et après, quelques jeux qui sont très nippons. Donc, bon, c'est pas comme le truc des détectives, Famicom Détective, qui m'ont pas plus botté que ça. No More Heroes, bon, c'est pas une licence que j'ai beaucoup suivi, donc bof, on va dire dans l'état actuel. Après, bon, à part c'était quoi, c'était Park Default 2, c'est ça qu'ils avaient montré, je crois. Donc ouais, c'était ça, Bandit Default 2. Bon voilà, bon, un RPG un peu sauce à l'ancienne que j'aime bien. Voilà, bon, ça c'était déjà annoncé, donc maintenant on connaît une date de sortie, etc. Mais Mario Golf. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mario Golf, ouais, c'est. Je veux bien que les Mario ont été déclinés à toutes les sauces, hein. Mario Kart, Mario Tennis, Mario Baseball, Mario Volley, Mario Filigio. On a eu quoi d'autre? Mario Football. Tu vois, je m'attendais peut-être à un retour d'un Mario Football, ça faisait longtemps qu'on n'en a plus un, parce que le dernier sorti c'était sur Wii quand même. Je m'attendais à un petit truc nouveau. C'était pas GameCube? Non, c'est GameCube, c'était le premier. Après, ils ont fait Mario Striker Charged sur Wii. Et après, bah, la licence football, finie. On a plus entendu parler. Concernant Zelda, bah, je suis déçu. Oui, pareil. Je suis un peu déçu, malgré que, voilà, il y a des fans qui vont attendre Skyward Sword. Moi, j'ai joué un peu, je l'ai pas fini. Je l'aime pas parce que c'est un Link trop jeune. Parce que moi j'aime bien un peu les Zelda qui sont assez matures et un peu très sombres. Là c'est vraiment le petit jeune qui vit sa vie tranquille, mais un événement vient le bouleverser et du coup il est le héros en question. Bon, c'est à peu près le même scénario dans les autres, mais je sais pas, comparé à un Breath of the Wild, que voilà, tu sais que Link, bah, il était chevalier pour protéger Zelda, sauf que à la guerre qui s'est passée, bah, il s'est fait éclater, donc voilà, donc il a dû se reposer dans une chambre 100 ans plus tard, et du coup bah, il se réveille, il faut qu'il repart de l'avant. Ocarina of Time, il avait une aventure très adulte, parce que voilà, t'es un enfant qui se réveille, on te dit que il faut que tu récupères des joyaux pour aller voir la princesse Zelda, etc. C'était assez sympa. Tu sors de le royaume d'Hyrule. Ouais, bah, après c'était comme d'habitude. Après, bon voilà, il y a eu Majora derrière, qui était encore beaucoup plus sombre, il y a eu des théories sur Skull Kid, machin et tout. Bon, je vous passe les détails. Après, bon, l'arrivée de Wind Waker, ça a été un peu différent, parce qu'on sort du contexte, là c'est un monde très enfantin, cartoonesque. Donc voilà, c'était fait un peu exprès qu'on arrive à ce Zelda, hein. Il était bien, hein. Moi j'ai bien aimé, ça sortait un peu des codes, mais voilà, je l'aimais bien, c'était un peu monde découverte, enfant, avec le fameux bateau avec la tête rouge. Lion rouge. Voilà, et ça, après, ben, on a eu Twilight Princess, que j'ai surkiffé quand j'avais reçu la Wii, parce que c'était mon premier jeu sur la Wii. Je compte pas Wii Play, hein, ça, Wii Sports, je compte pas. Donc voilà, mon premier vrai jeu, ça a été voilà, Zelda Twilight Princess, que j'ai bien aimé, parce qu'on repart dans un truc plus adulte, beaucoup plus sombre. Là, on a un monde lumière, un monde crépuscule, donc on a deux royaumes mélangés, etc. Donc c'est assez sympa. Et après, bah, jusqu'à l'annonce de Breath of the Wild. Bon, après, il y a eu Link's Awakening, qu'ils ont fait en remastered, parce que voilà, c'était pour faire patienter après Breath of the Wild. Alors, j'ai bien aimé l'histoire, mais j'ai pas aimé la patte graphique, parce que ça ressemblait un peu à du Playmobil. Enfin, patte à modeler Playmobil, je sais pas comment le décrire. Et, pourtant, j'y joue un peu vite fait chez un pote, mais j'arrive pas à cette patte. Awakening? Ouais, le Awakening qu'ils ont fait, le remastered. J'y joue un peu, mais j'arrive pas à m'y faire la patte. Et voilà, donc là du coup, bah, Skyward Sword HD, bon, je pense que je le prendrai histoire que je le fasse. Parce que je l'ai. Les Joy-Con. Alors oui, alors l'édition, les éditions Joy-Con qui vont avec, oui, ça c'est sûr et certain. Après, le prix, je pense que ça va être un peu plus cher que les Joy-Con classiques, parce que ce sera des Joy-Con de l'édition Zelda qui sont très très jolis, hein, je dis pas le contraire.
Mais après, voilà, à combien va être vendue l'édition? Est-ce que l'édition pourra être vendue en bundle avec les Joy-Con? Parce que là, ils ont dit que Joy-Con ne sera pas, mais peut-être qu'ils font des bundles, je sais pas trop quoi. Enfin, on verra bien. Donc, ouais, les Joy-Con m'intéressent beaucoup. Le jeu aussi, donc je le prendrai pas histoire de le faire. Enfin, le faire et le finir, parce que j'avais joué un petit peu avant. Donc, voilà. Après, bah, le jeu de Square Enix qui doit sortir pour 2022, qui a une démo disponible, Project. Enfin, Triangle, je sais plus quoi. Triangle Strategy, et qui a un nom provisoire, donc c'est même pas le vrai nom du jeu. Et en plus, on aura droit de donner nos impressions à la fin de la démo, donc au moins, ce qui est bien de. Pour que la commu puisse réagir et donner ses impressions à Square Enix. Ce qui est assez sympa, que certaines sociétés ne font pas, malheureusement. Il y avait aussi le jeu de Dodgeball, qui était pas trop mal, qui sortira pour cet été aussi. J'espère qu'ils seront en modèle free-to-play, comme pour Ninja là, j'espère. Pour moi que je puisse le tester, etc. Bon, après, pour mars, on aura Apex. Bon, après, ça parlera aux gens qui jouent plus au FPS. Donc, moi, je joue sur PC, mais je le prendrai sur Switch, histoire, par curiosité, en fait. Juste pour voir comment il le dégoupille sur Switch. Donc, voilà. Mais, en soi, de mon résultat final, il y avait trois trucs qui m'ont hypé. Et le reste, c'est du plat sans prise de risque. Voilà. Pour moi, c'est un Nintendo Direct qui est pas ouf. Ah oui, l'élément que j'avais pas parlé aussi, c'est par rapport à ce match. Encore un épéiste. J'avais oublié, encore un épéiste dans ce match. Hein. Comme si les épéistes, il n'y en avait pas assez dans le jeu. Hein. Parce qu'il faut compter. Hein. Alors, on a Link, on a Cloud, on a Sephiroth, on a les 6 personnages de Fire Emblem. Parce qu'on a Marth, Ike, Lucina. Les deux avatars de la version 3DS et la version Switch. Ouais, c'est ça. Ça fait ça. Il y a qui d'autre en épéiste encore? Shulk. Oui, Shulk, le nouveau personnage, donc ça fait 10. Qui c'est qu'il y a d'autre encore en épéiste? Je vois pas du tout. Oui. En fait, il y en a un peu trop. Je m'attendais que... Ils allaient chercher dans un truc un peu plus profond chez Nintendo, parce que des licences chez Nintendo, il y en a tellement. Donc, je m'attendais à un autre personnage, je sais pas, un truc qui sortait de l'ordinaire, je sais pas, peut-être le prince de Perse, un prince de Persia. Bah non, coco, il a une épée, une dague, non, ça va pas du tout. Ça merde. Pas ça, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme truc qui était intéressant chez Nintendo en licence? Ouais, le problème c'est qu'il y a des armes n'importe quoi et tout, donc t'as la grande épée, ça peut être encore un épée, donc un truc qui sort de l'ordinaire, mais un truc qui fait partie des licences Nintendo ou qui ont collaboré avec Nintendo. Spyro? Spyro n'a jamais collaboré avec Nintendo, c'était Sony à la base. Et ils ont quand même fait un peu de trucs. Oui, mais après c'est le portage qui a été, dans les sociétés différentes. Non, moi je te parle qu'il y a eu vraiment un petit truc entre les deux. Parce que regarde, pour Minecraft de base c'était pas Nintendo Minecraft et on va avoir le, je sais pas comment il s'appelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là c'est pas pareil, c'est parce que la société paye pour avoir les droits, pour avoir le portage du jeu sur leur plateforme. C'est pas pareil. Oui, mais c'est comme si je te dis, Spyro il peut venir, il peut y être comme si c'était un personnage. Oui, ils peuvent le faire comme ils ont fait pour Cloud et Sephiroth. Voilà. Ça pourrait faire pareil comme ça. Oui, c'est vrai que Spyro ça a pu être sympa. Et Crash. Ou Crash, Spyro. Mais Spyro, il y a Banjo et Kazooie. Oui, déjà ça a été super cool. Ou alors non, je m'attendais peut-être à Airform Jim, pour ceux qui ont connu le fameux ver de terre avec la tenue tenue blanche. Non, mais ça sort de l'ordinaire. Ouais. Ou Cool Spot, vous savez le espèce de petit pins, enfin pas le pins, mais le petit rond bleu avec ses lunettes et qui avait des gants blancs, il faisait ça. Il était pas bleu, il était rouge. Rouge avec ses lunettes de soleil noir et que voilà, il tirait des boules blanches. C'était trop bien comme jeu, mais c'était rageant de rouge. Voilà, Cool Spot, tu vois, ça sort de l'ordinaire, au moins ça fait revivre un peu la nostalgie, etc. Mais bon, voilà, encore un nouveau pays sur ce match, donc. Babsy. Ah non. Non, Adibou, t'as compris? Adibou. Et c'est pour ça que je dis ça. Non, mais voilà, bon. Après, j'ai acheté aucun personnage DLC sur Smash, mis à part la plante Piranha que j'ai eu quand j'avais acheté le jeu et qu'il fallait entrer un code avant une date limite. Mais voilà, pour moi, c'est Nintendo Direct qui était mouais. Il était pas cool. Voilà, il était mouais. Voilà, c'était mon avis. Du coup,
Non, ben je rejoins ton avis, j'ai pas grand chose à dire parce que je suis déçu. Voilà. J'aurais voulu d'autres images en termes de Zelda, ne serait-ce que... Allez, vite fait, parler un deuxième Zelda reportage, j'en sais rien. Comme on parlait de Age et Saison, pour Zelda... Ouais, moi je m'attendais que pour Zelda, on avait droit à une compile, comme ils ont fait pour Mario. Bah là, tout ce qu'on a, bah, c'est le portage HD de Skyward Sword. Moi, je m'attendais, c'est soit... Soit ils faisaient notamment les épisodes Game Boy Oracle of Age, Oracle of Season en remastered, ou je sais pas, Minish Cap ou Force d'Aventure revue, enfin l'édition GameCube, je parle pas la version GBA. Donc voilà, je m'attendais un petit truc comme ça, une compile, trois jeux dans une cartouche. Sword Adventure, ça a été sur DS, Tri Adventure, quelque chose comme ça. Ça a été. Ouais, alors par contre, on a eu zéro annonce concernant Pokémon. Mais non, il y aura un oui, mais je sais qu'il y aura le direct spécial Pokémon, mais tu vois, un petit truc histoire pour teaser un peu, tu sais, pour te mettre un peu en bouche. C'est deux choses différentes. Mais ouais, franchement, très déçu par rapport au... T'imagines un Zelda direct? Bah, ils auraient pu en faire, hein. Mais moi, je suis très déçu que pour les 35 ans de la licence, bah, un jeu et deux Joy-Con. C'est ça. Voilà, un jeu, deux Joy-Con, basta. Eiji Aonuma, j'espère que tu vas nous en mettre plein la vue quand tu vas nous montrer le 2 de Breath of the Wild 2, ouais, avec beaucoup de darkness. Ouais, et je m'attendais à quelques petites images, mais ils ont dit non, le jeu est encore en développement. Donc Personnellement, je préfère ça, que plutôt ils envoient et qu'après on est en mode oh mon dieu, c'est trop bien, et quand le jeu y sort, ben c'est pas cool, tu vois. C'est un peu comme ils ont fait pour Breath of the Wild, ils ont mis 4 ans avant de faire les premières images. De base, je devais sortir pas. Sur Wii U. Ouais, ben non. Non, à la base, devait sortir sur Switch, Breath of the Wild. C'était prévu qu'il soit exclu Switch. Et après, ils l'ont porté sur la Wii U. Aussi, en même temps, sur les deux. Moi, j'ai entendu que Wii U et voilà. Mais bon, voilà, c'était nos avis à chaud. Voilà, Nintendo Direct moyen. Voilà, c'était pour moi du réchauffé, non prise de risque. Voilà. Sur ce, les amis, on va vous laisser. Donc voilà, c'était la découverte commentary de ce Nintendo Direct. Je pense qu'on va attendre fin du mois concernant Pokémon. Est-ce que le remake Diamant Perle va être prévu à 100%? Je pense que oui. Donc après, on va voir. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouvera sur un prochain stream, je ne sais pas quand. Normalement, il y a toujours un tweet pour vous prévenir, etc. Donc voilà, donc sur ce, portez-vous bien, ne geekez pas trop, c'était Bucas pour vous servir. N'oubliez pas les consignes du Covid comme d'habitude, hein, on est toujours encore dans la grosse merde, hein, merci El Covido. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.